Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, comme vous pouvez le voir, Jamal Hill a pris le titre. Bon, je vous l'avais dit, mes frères et sœurs, je m'attendais à un gros chaos de Jamal Hill. Bon, il a gagné la décision. Je vous avais dit qu'il pouvait devenir champion. Je vous l'avais dit dans ma vidéo d'hier. Vous avez vu ce qui s'est passé? Il a gagné la décision. Tout le monde disait que, même moi je le disais, que Dexera allait l'emporter soit par soumission ou soit que Jamal Hill allait gagner par KO. Mais Jamal Hill, mes frères et sœurs, a gagné la décision. Donc là, mes frères et sœurs, ça prouve que déjà ça va être difficile de lui enlever le titre parce que mes frères et sœurs, sa prestation est phénoménale. Là, il a prouvé qu'il avait le niveau. Il peut clairement affronter les Thierry Prochaska. Moi, je vous ai dit qu'il était plus fort qu'eux. Il peut clairement affronter tous les combattants qu'il y a dans les light heavyweight. Les gens, mes frères et sœurs, ils l'ont négligé. Mais le gars est dur. Le gars est puissant. Le gars est endurant. Le gars sait défendre les takedowns. Le gars a une patate de malade, mes frères et sœurs. Je vous ai dit quoi hier? Il est trop chaud, le mec, là. Moi, j'ai envie de le voir en poids lourd. J'ai envie qu'il défende son titre 2 ou 3 fois. Je pense qu'il va le défendre et qu'il monte en poids lourd. Affronter les... T'as capté, tu vois, affronter mes frères et sœurs, des combattants plus puissants, parce qu'il est trop puissant pour un light heavyweight. Lui, dans l'emploi lourd, tu vois. Je suis choqué, mes frères et sœurs, mais je suis pas étonné. Tu vois, tout le monde donnait la victoire à Glover. Tout le monde disait qu'il allait gagner par étranglement, par soumission. Regardez ce qui s'est passé. Bah.